Mais bon, allons-y. Salut YouTube. Donc elle est là, Miaoyin. Elle est toujours bloquée. Il lui faudra 2 tours pour m'atteindre. Oh, donc si elle vient, je pourrais l'attaquer en embuscade. Avec le seul truc qui est embêtant, que j'ai pas trop de vent de magie parce que je suis en train de les perdre. Bah justement, elle est en train de venir. Ah, ce serait parfait ça, parce qu'elle a beaucoup de tireurs, donc je pourrais la... Après, est-ce que je vais avoir suffisamment de reconstitution? Est-ce que j'aurai suffisamment... Comment ça? Mais... General. Il va attaquer Mingzhu. Elle, je sais pas si elle peut atteindre Pomei là. Sinon, je peux faire la savonnette moi. Hein. Pourquoi? Pour passer là. Rang 7 et technologie rite d'ascension. Yeah, easy. Je vais avoir la défense experte contre les charges pour les unités anti-large, ça c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que je sais? C'est quoi les petits bâtiments encore que je peux faire ici? Taux de reconstitution des victimes, capacité de réserve de puissance de vent de magie plus 20 dans la province locale. Coût des améliorations de bande, moins 20% pour toutes les unités. Ouais, chance de trouver des objets magiques, plus 10% toutes les armées dans les régions adjacentes. Âmes obtenues dans les batailles, plus 15% pour les armées dans les régions adjacentes. Et revenus des pillages post-bataille, plus 10% avec la technologie éradication des monuments de la ruine. Revenus plus 10%. Et là, avec la technologie édification des monuments de la ruine, permet le recrutement de héros sorciers du chaos. Ok. Voilà, c'est petite garnison, usure moins 5% lors d'un siège subi, ravitaillement défensif plus 500. Garnison, 2 guerriers du chaos, 1 chevalier maraudeur. Oui, commandement plus 2 quand assiégé, d'accord. Ou alors on pourrait produire du marbre. Un camp de cultistes. On va pas investir là-dedans pour l'instant. Hein. On va l'attendre. Je vais me reconstituer au max. En espérant qu'elle n'ait pas la portée pour rien! Merci Wario pour les dons. Elle avait pas la portée. D'ailleurs, si elle s'était mise en marche forcée, elle aurait pu participer à la bataille. Elle est tellement confiante. J'ai le bombardement, la capacité d'armée avec le bombardement qui pourrait faire très mal sur une armée populeuse comme ça. Les canons arrivent après. J'ai tellement de troubles qui vont se faire. Corruption. Une petite garnison avec des guerriers du chaos. For the master of misrule. On va faire un contournement avec les rejetons du chaos comme ils peuvent aller un peu plus vite. Dans la première armée, il n'y a pas les canons, il n'y a pas tout ça. On fera un contournement aussi avec les incendiaires. Les maraudeurs ici vont servir de pare-choc. Ça, ce sera plutôt pour faire diversion. Tac. Merci Gondemar pour les 59 fois.
trouvé Nains du Chaos, mais j'ai trouvé qu'il leur fallait vraiment beaucoup de colonies pour avoir une armée très puissante. J'aurais dû une petite technique pour faire plus d'argent. Les Nains du Chaos, il y a un équilibre à trouver, effectivement. C'est pas si évident que ça quand on les joue. En fait, les Nains du Chaos, c'est vraiment le diesel ultime. C'est-à-dire, si t'arrives à bien enchaîner tes conquêtes et tes productions et tout, tu roules au compresse de fou furieux. Et si tu te prends les pieds dans le tapis, ça peut être très 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 compliqué et très punitif. Tu peux passer de... je roule sur l'IA et elle sait rien faire à... je me fais rouler dessus et je ne peux rien faire. En un laps de temps très court. Ah, Vitch, il a ça et en plus il prend les dégâts sur la barrière, ça c'est bien. Merde, les rejetons pourraient... devraient plutôt faire le tour par l'autre côté, mais tant pis. Mais ouais, Nain du Chaos, il y a... Faut bien gérer ses conquêtes et ses prods, quoi. Ses productions, sinon rapidement, tu peux pas sortir les bons trucs. C'est dans la barrière, tout va bien. Ils arrivent là maintenant. Putain, ça m'arrange pas. Je suis trop séparé. Ah la vache, les unités d'arquebusier, d'artilleur de grêle de mes fesses. Leurs tireurs sont bien planqués à l'arrière là. C'était quoi ça? C'était festif, c'était festif. Putain, impossible à décrocher! Allez, prayez-vous un chemin par là. Ok, les deux canons sont occupés. Non ! Ah putain, c'est eux qui sont en train de faire tout le dégât sur mes propres unités. Ok, par contre là, ça commence à le faire. Non, pas ça.
Ah merde, non, reste là. Non, si, c'est bon. Revenez maintenant. Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, voilà. Ok, Village, il faut tenir. Allez, par pitié. Non, non, mais ça sent bien, mais beau, ça sent bien, magnifique. Oh oui. Ok, j'ai ça. Peu de debuff. Ok, les autres incendiaires, ils sont morts. Putain, leur commandement est trop solide, hein. Ok. Ok, ceux-là partent. Là, le moins 21 pourrait les faire partir. Oui, 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 oui. Marauders of Fitch. Retreat. Oui, pas mal les chiens là. We bring ruin. We want their eyes. Escaping doom. Village the castle. Oh là, il a quand même du mal, Village. Hein. Il récupère un petit peu sa barrière quand même. Non mais par pitié. Et là-dedans. Là alors. Plus de vent de magie. Ok, Village, il a un petit peu de. Petit peu de barrière là. Ok, les rejetons là-bas, ça passe. Toi, tu viens me repousser ça. Attends, 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 attends. Allez, Village! Ok, là je vais juste les pousser en dehors de la map. Village, il reprend sa barrière, ça veut dire qu'il se fait pas trop toucher.
Oh là là, il y a tout qui est en train de craquer. Mais après, il meurt pas forcément. Hein. Chevalier de la ruine, par contre, ils ont du mal. Ok, ça marche. Ok, vous vous reculez parce que là il passe un sale moment. Oui, il l'a eu. Et là, tout ce que vous êtes, vous allez pouvoir vous en occuper quand même de celle-là. Les guerriers se rassemblent. Ok, on met la pression sur elle. Les chevaliers de la ruine, c'est vraiment une dinguerie comme ils arrivent jamais à se désengager. Hein. Pas les unités volantes en général. Par contre, là, il y a des unités qui fuient, faut que je les traque. Voilà, oui! Oh, ce coup-là, il a fait mal. Oui! Ok! Il y a eu un petit peu de perte. Un petit peu. 239 quand même, hein, les chevaliers de la ruine. Village qui a fait ses 600 kills au KLM. Bah, avec. Oui, il a eu un. Une porte sur l'enfer, notamment, qui a fait très mal. Oh, il y a une unité de guerriers du chaos qui a fait 127. 121 pour une unité d'incendiaire qui a fait quand même le taf. Toujours aussi difficile à utiliser les incendiaires, mais quand on arrive à toucher avec, ça fait ses dégâts. Ah, les rejetons, par contre. Ça va, les rejetons, c'est remplaçable avec Village. Épée infernale. Attaque magique et. Dégâts plus 50%, dégâts d'azard performant plus 50%. Je vais prendre l'ISPI. Oh la vache! Oui, bon, il y a eu quelques pertes, mais ça va. Il y a le vassal qui revient. The great sorcerer himself summons us to his realm. We have been trusted with a task that will bring us much favor. Déplacer un. Oh non. Oh vraiment, il faut que j'envoie un stagiaire en formation là-bas. Oh. Et 3000 ennemis au combat, faveur plus 2000 et déverrouille Harald Hammerstone. Il a remporté la bataille suivante, l'instrument du chaos. Ah, attends. Quoi? Il m'a pas emmené au bon endroit? Reconstitution des victimes, oui. Attends. Ah, mais oui, mais il m'a pas montré le bon endroit, ça correspondait pas à la bonne quête. Oui. The gods smile. Village the Curseling. Alors, j'ai gagné deux nouvelles unités qui peuvent passer au rang de guerrier du chaos. C'est toujours ça, hein. Là, faut être en 8. Oui, il y a les chars aussi, mais... lui... Ouais. J'ai pas encore assez de recharge de vent de magie pour pouvoir faire tout ça. Maître de l'anarchie, c'est quoi? Autorité de Tsinch plus 2, démoniaque. Les unités démoniaques ne peuvent pas être mises en déroute, mais subissent des dégâts. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Village qui devient démoniaque. Et augmentation des vents, risque d'échec moins 50% et rechargement de puissance plus 160% pendant 26 secondes. Ouais, ça c'est pas mal. Âme obtenue de ses propres terres plus 25%, relation diplomatique plus 20, guerre du chaos, machin.
Prêtrise de Tsinch. Ouais. Faut avoir tout débloqué là, disponible après avoir dépensé 4 points. Donc oui, tout. Ouais, revenu issu de pillage post-bataille. Qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Oh! Oh ben enchanté! Hein? Oh, j'ai de la tunasse en plus. Attends une seconde. I obey only, Sen Yang. Oh, les incendiaires! Ah là, faut admettre que ceux-là, ils font envie, quoi. Ceux-là, ils font envie, quand même, hein. Même si c'est pas trop le thème de l'armée. Plus une unité de maraudeur, parce qu'il va quand même falloir le récupérer, quoi. The Twisted Twins ascend. Bon là j'aurais quasiment plus de vent de magie. Attends, est-ce que j'ai de quoi défaire son armée? Elle a majoritairement des tireurs. Qu'est-ce que j'ai encore de volant moi? Les chevaliers de la ruine. Parce que là paf quoi. Paf paf. Non pas lui. Donc là c'est un déplacement instantané. Ça l'attaque en embuscade. Et en plus elle est en marche forcée. Et en plus, elle a le moins 8 de commandement. Mais est-ce que j'ai les forces nécessaires pour défaire tout ça, quoi? Dont Miao Yin. Miao Yin, elle tape quand même. Hein. Mais j'ai E si elle se transforme en dragon. Interference will cost you your life. Bon, sur une bataille d'embuscade, c'est un peu nul d'avoir une armée de renfort, mais si la bataille traîne, je serais content de les avoir. Surtout qu'il y a eux dedans, mais bon. Bim! Les incendiaires, ils prennent le petit bonus de... Allez. Donc là, le but, ça va être de détruire les tireurs direct, les empêcher de s'enfuir. Vu que c'est que des tireurs à pied, ça devrait le faire. Et puis, on s'occupe du reste. Oh, faudra que je fasse gaffe à elle aussi. Elle, il faut mettre village dessus directement. Merci Whiskey Peak pour les 6 mois. Les incendiaires, ils vont rester... Ah, ils peuvent pas se cacher, là. Bon, ils vont rester ici au début. Ils descendront quand il y aura un joli gros blob sur lequel je pourrais m'exprimer. Ah, je peux pas me déployer, là. Quel enfer! Chevaliers de la ruine, ils vont foncer sur les hommes corbeaux dans un premier temps, je pense. Les guerriers, ils attaqueront par là. Maraudeur par ici. Bah, elle est où, Miao Yin? Attends, y'a que l'autre, non? Ah!
Oh là là, c'est pas une bonne idée. Ok, eux ils vont s'amuser. Ouais, Miao Yin ça va être complexe, hein. Je confirme. Ça va être très très complexe. Je me casse. Je l'ai bloqué. Destined to win. The dangerous marauders. We bring ruin. This way, Mule. Warriors of Cinch. Il est ok, il a récupéré toute sa barrière. Vite! Slaves to darkness. Non mais ah. Mais. Ok, ils sont là. Mais ça touche pas. Ok, il s'intéresse plus à moi. Non. Oh merde. Vite, 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 dans la mêlée. Ok, elle se pose. Allez, 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 dans la mêlée, dans la mêlée. Merde. Pousse-toi. Attendez, vous vous préparez. On lui ramenez vos miches. Elle veut pas descendre. Oh, elle est là, l'autre. Ok, reprenez l'assaut sur le, la jonque. Voilà, il y a pile ce qu'il faut pour taper une petite main de plomb, là. Ok, elle est là, parfait. Petite boule de feu. Montre-nous, Village. Le Kamehameha. Ouais, ça picote. Doom Knights of Cinch. Twisted Champions. Unstoppable Fate. Laissez-les passer, laissez-les passer. Bon chien, eux. Ah, c'est l'autre qui me fait un truc pareil. Attends, vas-y, défonce là, là. Parce que la jonque, c'est quand même une belle cible. Voilà. Reculez. Oui. Ah la vache, elle m'a fait peur. Je vais peut-être avoir la possibilité d'avoir d'autres guerriers du chaos là. Ah oui. Alors, une. Peut-être lui avec le bonus d'XP post-bataille. Pas sûr. Oh, elle aurait pu tuer Village.
Je crois que si j'avais pas fait charger les cavaliers, il mourait, Velich. Elle était en train de l'enchaîner, elle était en train de l'enfoncer dans un tacot de suivante, quoi. Elle allait le bouffer, hein, 5 minutes après. Il était déjà badigeonné de sauce. Elle lui avait recouvert de sauce au fromage chaude. Et elle était prête, hein. Non. Expérience requise pour le rang suivant, 2400. Je pourrais avoir un plus 100, mais ouais. Prendre les âmes. Merci Chikilol pour les 48 mois, les 4 ans, merci beaucoup. Merci Whiskey Peak pour les 6 mois. A vaincu, mais il y a une défense plus 3 pour l'armée, défense experte contre les charges pour Village. Eh ben, c'est pas mal. Alors ici, on va enlever ça et on va prendre ça. Comme ça, j'ai que des unités marquées de Tsinch chez Village. Lui, il reste là. Oh la bonne question. Bravo patron, je reviens de la douche et vous n'êtes toujours pas mort. C'est tout à fait formidable. Pas encore. Ah, on y arrive à l'invasion là. Waouh. Gain d'expérience de l'unité plus 75. C'est vrai que c'est pas énormissime. Ah, petit conduit arcanique supplémentaire. Master of Misrule. Donc là j'en ai deux. Lui. Ta-ta-ta-ta. 1100. Alors attends, j'ai 4 unités de guerriers, on va prendre 2 unités de guerriers à halbarde supplémentaires. Voilà. Voilà. Et tiens, des... Non, eux, ils peuvent pas monter, hein. Incendiaires, ils peuvent pas. Fixe. Ça, je peux faire, tiens. Bon, mais ça s'est bien passé. Pas de problème. Ah, ils ont pillé, donc je vais quand même pouvoir me reconstituer un peu. Donc elle s'est fait défoncer, Miao Yin, elle était en marche forcée, attaque en embuscade, de toute façon, dans les deux cas, elle pouvait pas... elle ne pouvait rien faire. Oh, mais attends. Attends, parce qu'avec ce qui se passe... Je vais pouvoir rester à Pomei pour me reconstituer un petit peu plus vite. Lui, est-ce qu'il peut avoir des trucs? Oui, tout à fait. Et il y a mon vassal qui arrive. Avec une armée un peu nullos, mais une armée quand même. Bon, moi, faut que je me refasse et j'ai une armée qui est pas mal, quoi. Plutôt sympa. Je commence à avoir pas mal de guerriers du chaos de Tsinch. Avec Village qui booste la reconstitution de la barrière. Mm-hmm. Merde. Ok, on va rester en positif pour pas avoir de soucis. En positif d'ordre public. Faudra pas que j'oublie. Il peut l'avoir. Bah oui. Ça se tue, ça. Tranquille. Ok, des âmes, j'en ai, là. J'avais déverrouillé un emplacement supplémentaire, d'ailleurs. Bon, je sais pas, c'est peut-être un peu ambitieux de vouloir en mettre un de plus. Munitions plus 15% pour les armées menées par les personnages dévoués à Tsinch. Regard du destin pour tous les personnages de Tsinch. Attaque moins 40. Déplacement impossible. Oh. Gain d'expérience plus 25% pour les seigneurs et les héros.
Capacité d'armée, invocation d'outre-tombe. Ah, si la technologie nécessaire est faite. Point de vie de la barrière, plus 25%. Ah, plus 25% de risque initiaux d'échec. Temps de repos, moins 25% pour les sorts. Point de vie de la barrière, 25%. Temps de repos, moins 25%. Les points de vie de la barrière, plus 25%, c'est cool quand même. Ça coûte 500 âmes pour l'activer, 50 d'entretien. Oh, c'est jouable. C'est jouable. À Pomei, je pourrais pas faire le bâtiment avec... bonus de reconstitution, là, plus 5%. Capacité de réserve de vent de magie, plus 20. Oh la vache. Tellement à zéro. Mauvaise idée. Petite tête enflammée pour l'eau. Bon, le vassal, je sais pas où il va, mais ça serait bien qu'il y aille. Pour 29. Donc là, l'invasion, elle va popper autour 31-32. 31-32, je crois. 33. Dans pas longtemps, de toute façon. Je pourrais refaire l'armée de Village. Éventuellement prendre une ville mineure ou deux. Ah. Défense plus 1 par rang pour les unités d'infanterie de Halbarde et de Lancier. Pas mal aussi, ça. Du coup, ouais, eux, ils sont bien boostés en termes de défense aussi, puisqu'ils sont automatiquement de rang 9. Oh, le zéro de vent de magie. Oh, le zéro. Je peux juste avoir un plus 5. Attends, est-ce que ça souffle ici? Moins 10. Ah, là j'ai un plus 5. Ici j'ai un plus 5. Donc je vais venir. Et là j'ai un plus 5 aussi. Bon bah alors je vais venir jusque là. Dans ce mode là je peux me reconstituer. Et j'ai un plus 5. Et quand je serai à côté au tour d'après, bah j'aurai le plus 5 plus le bonus de ça. Donc je pourrais me refaire quand même assez rapidement. Parce que là j'ai... Ah non, il n'y a pas de malus. J'ai pas... Je suis pas démoniaque. C'est vrai, je suis pas un démon. Mais bon, quand même. Capacité d'armée, invocation d'outre-monde pour l'armée du chef de faction. Ah oui, pour le don justement que j'ai vu. Attends, c'est le don qui est actif, ça? Corruption. Nah. Invocation, capacité de groupe, plus 3 pour les aurores roses. Ouais. Chevalier du chaos, ouais. Permet les attaques magiques pour les chevaliers. Faudrait le rite d'ascension pour préparer les élus tout doucement quand même. Gain d'expérience, plus 25% pour les cavaliers en plus. D'expérience plus 15% pour les guerriers du chaos. Ouais, ça, il est temps que je l'ai. Et prépare l'ascension pour les élus. Ok. Et lui, le chemin vers la gloire. Ah oui, il en a débloqué un. Capacité passive, vol de vie. Ah, nice, il a ça aussi. Et propagation. Bah, bien ça. Il a les deux là. Remporter une bataille contre Tsinch. Oh, objet de sort, feu rose. Ouais. Pas non plus incroyable. Remporter une bataille en embuscade.
Capacité cachée dans le temps. Ah, il peut aussi devenir impossible à repérer. Et déploiement d'avant-garde. Oui, ok. C'est pas ouf non plus. Mais c'est chouette. Hachoir D1, c'est quoi ? Optimisation de zone, attaque plus 8 pour tous les alliés à portée. Ouais, ça c'est bien ça. C'est très très bien ça pour accompagner les champions. Les chevaliers de la ruine qui sont toujours là, quand même. Vous noterez, hein. Ils sont toujours en vie. Ça c'est le signe des grandes campagnes. En positif, mais tout juste, hein. Merci le lama bandit pour les 33 mois. Don't look at him. There's nothing going on under that helmet. Keep your eyes on me. Tenter une bataille contre Tinch, c'est vraiment le pire truc. Oui, j'avoue, c'est pas terrible. Hein. Monsieur Snitch, que diriez-vous d'une alliance? Oui, surtout vu ce qui nous attend. Alors, c'est pas un chaotique. Il est pas comme nous. Il est pas foutu comme nous, mais je pense qu'il est le bienvenu quand même. The Twisted Twin. Ok, voilà. Là, on va se refaire un petit peu. Mais juste descendre jusque là pour être éventuellement prêt à aller ici. Et là, Pomei, bon, j'ai fait ça, c'est un peu con. On va aller faire un petit pillage là-bas. Déjà 200 âmes. Petit pillage. Ah, chemin vers la gloire déverrouillé pour lui. On rentre à la maison. Dévotion à Tsinch. Domaine du métal. Dévotion à Tsinch, domaine de la mort. Ou ascension au royaume du chaos universel en tant que prince démon. Moi, c'est ça que je préférerais. Lui peut avoir quoi? Portique à glyphes, remporter une bataille contre une race de démons, remporter 5 batailles. Ah ouais, ça va. Remporter une bataille avec un autre lanceur de sorts dans votre armée. Ok. Ou en vente magie, moins 10% pour les sorts. Temps de repos, moins 10% pour les sorts. C'est pas mal ça. Armure plus 15, points de vie plus 5%. Et portique à glyphes. Putain, y'a rien de mauvais là-dedans. Par contre, remporter une bataille contre les démons, c'est un peu plus relou. Et ça le fait. 10 000 âmes quand même, hein, et être niveau 30. Mais ça se fait, ça se fait. Bon, on va vendre Pomei. Ah! Alliance militaire. Village. Alliance militaire, Satan. On est meilleures copines. Ah, il le voulait, hein. Bon, nice. Alliance militaire, ce qui fait que soit Miaoyin va l'attaquer. Mais non, de toute façon, avec l'invasion, de toute façon, ils vont être en guerre, quoi qu'il arrive. Bon, ici, par contre, ouf. C'est quoi qui se passe avec l'ordre public ici? Niveau de difficulté, machin. Aucune corruption de Tsinch. Corruption et autorité. Autorité combien? Plus 3. Putain. Mais corruption de Tsinch. Autre corruption, moins 5. Armée locale, moins 2. Aïe, aïe, aïe. C'est pas avec mon malheureux plus 2 que je vais avoir quelque chose.
pas corruption. Ah oui, dans les provinces adjacentes. Bah, j'aurais juste un malheureux plus un. Ah là, ça diminue encore. Hein. Bon, le plus un, il fera du bien quand même. Merci, monsieur Black Viper, pour les 6 mois. 60 mois va-t-il faire. Qu'est-ce qu'il dit, le truc? Merci pour les 60 mois. Je te rappelais que le rat cornu est un dieu du chaos. Et pas dans Warhammer Battle! Monsieur Arnard, voyons, je sais ce que vous essayez de faire. Ça vient à peine d'être canonisé, ça. Merci Val. Vanilmirt, merci pour les 7 mois. Qu'est-ce qu'il veut? Rejoindre la guerre contre... Ah non, pas lui. Non, pas lui. Débrouille-toi. Oh, du coup, il va pas vouloir déclarer la guerre à Kater. Ok, il construit un truc. Bon, l'armée est refaite. Tour 32. Tour. Je peux l'atteindre? Bah non. Donc là, vas-y. Ici, ça souffle aussi, donc c'est pareil. On récupère des vents de magie. L'invasion, ça va pas être là. Ça va être à Nangao, normalement. Oh, ça va être si chaud. Oh, ça va être si chaud. Oh, Zatan, par pitié. Ah, il a une armée là. Il a une armée pas là. Zatan, c'est pas le moment. En plus, qu'est-ce qui m'a pris? Je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. C'en est assez. Les factions de l'ordre ne peuvent tolérer autant de déviance en ce monde. Il est temps pour elles de purifier cette ère de pensées impures. Ah! Non! Ils viennent pour contrôler les navigateurs Internet! Ils veulent voir les historiques de tout le monde. Allez, paf, tout le monde. On voit pas. Regardez, on voit tous les endroits où... chez Zhao Ming. Quoi? Chez Grécius? Hein? What? Attends, mais Grécius, il a des trucs incroyables. Karazakarak. Mais Karazakarak, c'est... What? Donc là, Miao Yin. Oui, elle est en guerre contre Zatan. Contre Lokir. Contre Grimgor. Bah, elle a beaucoup de guerre aussi. Hein. Donc vraiment, ça crée une énorme polarisation dans le monde. Ouais, par contre, il est toujours en guerre contre Grimgor, quoi. Merde, ça, c'est vraiment pas le bon truc. Oh, Zatan, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une semi-molle de chez semi-molle, ça. Hein. Même la partie semi-dure, elle est demi-molle.
Bon là par contre on peut y aller. Oh non, c'est encore elle. Il faut l'empêcher de pexer. Bon, des artilleurs. Bon, l'armée est full chez moi. J'ai récupéré quelques vents de magie quand même. Allons-y. J'ai les aspirants champions à Hallebarde. Quand je me méfie, si elle se transforme, elle va attaquer. Elle va se transformer et elle risque fort d'attaquer les chevaliers de la ruine. Ah oui, d'ailleurs, j'ai perdu tous mes hurleurs. J'ai perdu tous mes hurleurs, moi. Hop. Bon là par contre, on va y aller à fond sur la magie pour pouvoir balancer le bombardement très vite. Donc il va falloir claquer des trucs. Ça tombe bien, lui comme il est sur 10, il va pouvoir aller vite, vite les trouver. Vite balancer des sorts. Donc là j'ai quoi? Bâton interdit 160%, conduit arcanique supérieur plus 60%, conduit arcanique 40%. Ok. Ah la vache! Comment ils se font défoncer, mes chevaliers de la ruine? Attends, la porte. Mais merde. Ah, elle l'a pris dans un coin. Vite, fuis. Ils sont où? Posez-vous. Attends, elle fait quoi? Elle est sur Village là. Glorious mutilation. Come in one step. Sit by darkness. Ta. Oh, c'est pas rentable ça. Let there be butchery. Slave.
Elle va vraiment pas être facile à atteindre. Bon là j'ai débloqué ça, mais ouais, je vais le mettre là. Ah putain, les incendiaires, ils ont fait prout, je l'ai même pas vu. Ils ont dû se prendre deux salves de tir et ils sont partis quoi. Ok, pour l'instant Village y tient. Allez, vous pouvez le faire. For the master of Misthrune. J'ai pas assez d'unités mobiles pour neutraliser tous les tireurs. Mais Hurleur me manque. Oh, elle fuit! Bon, par contre mes guerriers du chaos normalement sont quand même plus efficaces que les guerriers de Jade. Mais elle fuit. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui, chopez-la. Je peux pas mettre le rabiot dessus. Ah, pas quand elle est sous cette forme. Ok, là elle est prise dans le bordel. Oh, et là elle ramasse là. Elle a pris une bonne patate au passage. Oh, les aspirants champions à Albard, ils sont en train de lui faire si mal. Là ça va créer un mouvement de panique si je fais ça. Voilà, bim. Là ça part. Là ça part. Ah non hein. Par contre ça elle a pas le droit hein. Non. Ok, je vais laisser Village proche de la griffe sectionnée. Merci Pete Van Damos pour les 47 mois. Oh là. Ah. Ils étaient là-bas, eux. Merde, j'ai perdu mes incendiaires. Ouais, mais ils devenaient si fragiles. En fait, incendiaire contre KT, c'est pas évident parce qu'ils ont tellement d'unités à distance que deux salves de projectiles, ça les couche. Ça tue les incendiaires, donc c'est vraiment, vraiment pas évident de les utiliser et de les maintenir en vie. Ils font beaucoup de dégâts, mais les approcher, c'est chaud, quoi. Un incendiaire exalté serait mieux. Oh, paf! Bravo. Je suis pas prêt à affronter les vraies armées. Hein. Là, je vais avoir le renfort de Zatan, mais en fait, Zatan, non. Zatan, il est pas prêt non plus. Perdu deux unités de rejetons, plus les incendiaires, plus les chevaliers de la ruine. Mais ils se désengagent jamais, ça me rend fou. Ah, quand tu les envoies dans la mêlée, ils en sortent jamais, quoi. C'est ouf. Enfin si, ils en sortent, mais au bout de 40 minutes. C'est un peu tard. Ou alors, faut vraiment faire du hit and run très 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 rapide. Dommage. Oh là, ça fait beaucoup de pertes pour une bataille pareille, bordel.
Mettre à sac 2500. Je vais occuper. On va tout filer à Zatan. Hein? Ah, il est... ah mais oui, c'est lui, c'est... Je confonds avec l'autre. J'ai confondu avec l'autre. Lui, il va là. Ah, c'est la brutasse de Khorne. Je le confonds avec l'autre que... Attends. Harald Hammerstorm. Et l'autre, c'est... Highcold. Non, si, c'est bon. Ah. Ah oui, alors là, on va pouvoir le booster. Bonus de charge plus 15. On peut lui monter de l'attaque, la défense, l'armure. Chercheur d'ennemis, attaque dévastatrice. Ouais, ok. On va booster un petit peu ce coco-là. J'ai des unités qui ont survécu qui peuvent... Peut-être. Non, pas encore. Pas encore s'élever. Et la technologie, là... ici... Ah oui, pour les cavaliers. Et puis après, pour les autres. Je crois que deux unités de hurleurs seraient plus que bienvenues. Trois unités de hurleurs seraient plus que bienvenues. Ah oui, non, non, et puis, mais c'est bien l'ambiance. Et je vais prendre l'unité de rejeton. C'est quoi? Oh, explosion. C'est quoi? C'est un caca? Ou c'est une explosion autour d'eux? C'est un bombardement, ça? Ok. Merci Dwight. Merci pour le Prime, bienvenue. Merci à Killer pour les 16 mois. Ici, qu'est-ce que je veux? Ça. Ah oui, je vais en avoir besoin. I foresee destruction. Sigmar. First lesson. Buy a hammer. Autorité universelle plus 1, autorité universelle plus 2. C'est pas Khorne? C'est neutre lui? Le marteau de Harry. Ah ouais, l'explosion. C'est une sacrée brutasse aussi, lui. Hein. Autorité universelle plus 3. Non, c'est universel, lui. Mais il est tout rouge. Il est fâché et tout rouge. Il est fort subtil, mais il n'est pas lié à un dieu précis. Pourquoi il est rouge alors? Il brouille les pistes. Ah, ils ont tous la même gueule de toute façon chez le chaos. Eh, bonsoir monsieur Summer. Donc là, c'est Harry the Hammer. Le bon vieux Harry. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pacte de non-agression. Avec grand plaisir. Ouais, très... My mind cannot be turned. Chaos!
C'est pas grave, il revient. Village. Bon, on va pas trop s'avancer avec Village. Tu veux Mingzu, quoi? Voilà. Illich, il est quasiment remis. Ça souffle toujours les vents de magie? Ouais. J'aimerais quand même m'avancer un petit peu, mais gentiment, quoi. Sneak, c'est là. Ok. Ah oui, Sneak, c'est bien là? Oh, dis donc. C'est probablement des armées remplies d'esclaves et de saloperies, mais... Ah, très bien, très bien, très bien. Le sud est bien tenu, là. Par contre, Zatan, il a l'air... il a l'air un peu en PLS. Mais fous la paix à Grimgor. Y a pas un truc... faites-vous un bisou. Je pourrais répandre la corruption, tiens. Non, y a pas ça. On rit des os, forteresse rouge. Tempête de fer. Tiens, carrefour du dragon, c'est dans la même province. Bâtiment, province adjacente. Je suis à moins 2. Et répandre la corruption, parce que si je mets à celui-là... Mais... Ah, une armée à moi uniquement. Pas le vassal. Mmh. Alors ça m'arrange pas. Va faire ça aussi ici pour avoir du guerrier du chaos. Bon allez, je vais avancer jusque là, comme ça je me refais encore un petit peu et je refais mes vents de magie. Il faut que je me méfie de toutes les armées qu'il va y avoir, quoi. Merci Diliostei pour les 37 mois. Il lui reste pas énormément de cités à Miaoyin par contre. Hein. Oh, ça confédère fort là. Couronne, la couronne, c'est pas pour c'est pas pour maintenant. Oh, ok, ça envoie un peu du monde. Il a une ville. Il a une ville niveau 3. Il a tellement que dalle. Toujours à moins 10. Et toujours à moins 10. Oh, je vais aller me mettre au coin là. Ah, et là, tiens. Moins 10, moins 10. Tiens, pourquoi est-ce qu'il est... Hein? Il est à moins 10 en vert, et là, il est à moins 10 en rouge. Bien. Est-ce que j'avance avec lui ou je reste tranquille? C'est la question aussi, ça. Non, je crois que je vais rester tranquille. Montre-moi! Oh, les 10 000 armées qu'il doit y avoir là-dedans. Je voudrais bien les voir, quoi. Et fous-moi la paix, toi. Ah oui, oui, Loki. Hein. Yes, il est en guerre contre elle aussi. Oui, c'est vrai. Ah non, vas-y. Hein. Loki, pas de soucis. Hein. Ah, en v'là une. Bon, il y en a probablement d'autres derrière. Mais si j'ai l'occasion d'en attaquer une toute seule, ce serait peut-être une bonne chose.
Ah, et il y a le vassal qui arrive. Oh! Ah. D'accord. Ouh, pendant ce temps-là, il y a le frangin qui a l'air de s'énerver. Il vient de confédérer et il est pas content. Ah non, attends, c'est elle qui a confédéré. Non, c'est elle. I serve only the dragons. Bon, Snitch, je crois en toi. Je veux croire qu'il pourra faire quelque chose. They think to outwit us. Bow to me. Elle est en marche forcée, donc fatiguée. Merci, Picabou. Merci pour les 11 mois. Oh, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est moche. Et il y a quand même beaucoup d'autres armées derrière, c'est ça qui me fait peur. Je vais faire ça parce que je vais laisser le vassal faire ce qu'il a à faire. Voilà. Très bien. Ah, oh, c'est bien, Yin, elle est revenue. Oh, elle revient si vite. J'espère qu'il a au moins causé un peu de dégâts. Il avait des loups-garous et tout. Il doit pouvoir lui arracher quand même quelques trucs. Mais Zatan, vraiment, il a pas envie de signer un traité de paix avec Grimgor et venir un petit peu au sud. Par contre, je vois pas d'autres armées. Oh. Ça confédère fort, hein. Ah non, 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 par contre, quoi Ah, attends, l'hôtel, il fait quoi? Oh, c'est la maîtrise des sorts qui augmente jusqu'à plus 30%. L'effet s'intensifie chaque unité morte à proximité. Et augmente le rechargement de puissance. Il y a un rechargement de puissance qui augmente jusqu'à plus 100%. La réserve qui augmente aussi. Ah ouais. Et maîtrise des sorts jusqu'à plus 30%. Ça, c'est trop fort. On perd complètement la mobilité du disque, mais c'est très très fort. Point de vie de barrière plus 20%. Attaque enflammée. Taux de reconstitution de la barrière plus 15% pour l'armée. Ah. Oh, le taux de reconstitution plus 15% pour l'armée, il est sexy. Combiné avec Village. I obey only Sen Yang. Slaughter the sheep. Hein? Ils se sont pas attaqués du tout. Non, il a une belle armée. Ils se sont pas attaqués du tout, là. Come in, you fool. C'est barré, l'autre. Il va venir au sud. Bon, merde, il a pas encore signé la paix contre Grimgor. Oh, sans déconner, lâchez-vous la grappe. Moins 1. Bon, allez, on va le laisser. Au moins, je suis à plus 1700.
j'ai des aspirants champions là? Ouais. On a un petit seigneur. Gain d'expérience du personnage 15%, armure 25, masse d'unité 25%. Gain d'XP, ce sera pratique. Oui, donc je veux ça. Ok. Et je vais venir les amener. Ça sera un seigneur brouette. Je vais les amener à l'autre. Bon. Très bizarre que je ne vois toujours pas les armées de l'invasion de Miao Yin par contre. Bon bah Pomei, si ça tombe, c'est Azatan, c'est son problème. Ok. On va passer ça. Et puis on va s'arrêter là, Tucube. Qu'est-ce qu'il fait? Rejoindre la guerre. Mais non. Fous-leur la paix. Elle est trop loin là, je suis déjà étonné qu'elle ait pu m'atteindre. Bah oui, il peut pas m'atteindre une deuxième fois. Merci Monsieur Boulevazout pour les 33 bois. Il y avait un problème qui traînait, merci beaucoup. Quoi, elle a perdu des... Quoi, elle a perdu des corbeaux, Miao Yin? Gain d'expérience du personnage 25% pour tous les personnages ou gain d'expérience d'unité plus 25% pour toutes les armées. Bon alors là tous les jours gain d'expérience pour les armées là. Alors là. Oh oui, vite au chaud chez papa. Alors. Donc là, bah, ça me permet de faire ça. Oh, et là, tous les canons. In the cucu. Et là, en plus, il me reste pas mal de vent de magie. Hein. Le jeu, il est au courant que j'ai des guerriers du chaos, là. Et que j'attaque en embuscade? Et qu'en face, il y a une ligne de canon qui va rien pouvoir faire? Allô? Bon, bah, YouTube, on fait la sauvegarde et on fait ça la prochaine fois. Allez, la bise. Salut, YouTube.